les autres que nous verrons la gloire de Dieu. Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour le tutoriel de la partie de Lindanda, la partie où le guitariste Chip est solo. Il a joué vraiment cette petite mélodie que vous avez vue en introduction. On va se concentrer juste sur cette partie. C'est pour vous donner encore un aperçu de ce que vous allez voir, ce que vous aurez comme mode de travail, démonstration dans l'application mobile de la CBN Academy. Donc restez connectés. Alors la chanson, elle est jouée en La dièse. C'est la version du concert, la version live qui a été jouée au concert de Lubumbashi. Vraiment une très belle guitare. Et c'est un très bon exercice, surtout pour renforcer ses doigts et pour commencer à avoir un autre feeling. Il pose presque aucun accord. Il joue que des combinaisons d'intervalles et voilà, il fait des riffs. Et pourtant, c'est un deux temps. La dièse, ré dièse, fa, ré dièse, la dièse, ré dièse, fa. Voilà. Et ça, n'importe qui peut le jouer, même un débutant. L'idée, c'est d'avoir déjà rentré dans le bain. Et c'est ce que je veux faire dans l'application. Je veux que chacun puisse rentrer dans le bain sans se laisser bloquer par la technique. Même si vous faites des raccourcis d'accords, même si vous trichez, entre guillemets, le but, c'est que vous puissiez rentrer dans la mélodie et commencer à sentir cette satisfaction de jouer quelque chose. On est là. La dièse. Ok, donc c'est un deux temps. Même si vous faites des raccourcis comme de ce genre, donc au lieu de faire un ré dièse complet comme ça, vous faites. Vous voyez la forme. Donc, vous enlevez le petit doigt, vous faites juste ces trois doigts-là, même sans barrer. Hein. Ça peut être comme ça. Et ensuite, fa. Donc, vous avez ré dièse, ici. Vous voyez l'accord. Ensuite, vous montez de deux cases pour arriver au fa. L'accord complet, c'est celui-là. Un accord raccourci ou un accord renversé, ce sera comme ça. Et ensuite, on revient à la dièse. Ça, ça peut être un début, ok? Vous aurez la possibilité de laisser la loupe tourner, histoire d'avoir le rythme en même temps avec le métronome, vous voyez? Vous posez déjà quelques accords et quelques notes. Donc le la dièse, vous pouvez le prendre ici, tout comme vous pouvez le prendre ici. Okay. Ici, c'est un barré. À la troisième case, vous barrez la corde de sol, la corde de ré, la corde de sol, la corde de si et la corde de mi. Voilà, la mi aiguë. Okay. Et dans ce cas-là, si vous barrez juste comme ça, vous ne jouez pas, vous ne touchez pas à la corde de la. Sinon, ça vous fait une dissonance, c'est une fausse note. Ok? Donc, vous partez directement. Et ensuite, le fa, vous pouvez le faire ici. Vous connaissez déjà ce fa, éventuellement. Ou même si vous ne le connaissez pas, le voilà, tout simplement. Avec un barré ici, sur la corde, première case, sur la corde de si et la corde de mi. Ça, c'est un barré qui pose aussi problème. Je vous propose pour l'instant de rentrer dans le bain et de contourner un petit peu les problèmes, ok? De contourner certains problèmes, même si vous ne pourrez pas tous les contourner, vous devrez les affronter tôt ou tard. Mais le but, c'est de commencer comme ça à jouer des mélodies pour qu'au fur et à mesure, vous puissiez faire sauter les verrous. Donc, ok. Maintenant, allons-y sur la mélodie. Allons-y sur la partition qui a été jouée. Ouais, on part direct. C'est cette position de la dièse. Oui. Donc on part sur la corde de mi jusqu'à la sixième case.
Voilà, et quand il descend là, il barre directement. Ok. Si, corde de mi, pardon, sixième case. Toujours corde de mi, mais on anticipe, on barre déjà. Ouais, pour aller rapidement. Donc, sixième case, on slide hop, on slide en montant sur la corde de mi à la sixième case. Et ensuite, quand vous descendez, troisième case, toujours sur la corde de mi, mais vous barrez déjà en avance pour anticiper. Et c'est ce qui rend cette mélodie difficile, justement. Voilà, quand vous barrez comme ça, donc vous avez barré directement, donc, sixième case, troisième case, toujours corde de mi, mais directement avec un barré, et un slide, slide en bas, slide descendant jusqu'à la première case. Et on descend et on rattrape la corde de si qui était déjà barrée. Je reprends. Et on reprend troisième case, corde de sol. Voilà. On reprend. Encore une fois. Je vous la refais doucement. Déjà, si vous avez ce début, c'est déjà exceptionnel et c'est très bien. Et ensuite, la suite. Ok. Donc, hammer on sur la corde de mi. Donc, première case. Et on hammer on. Je vous conseille de marteler avec le petit doigt, l'auriculaire. Pour que vous soyez suffisamment libre et rattrapé. Okay. Je reprends. Et vous l'avez. Ok. Donc là, c'est quand même assez avancé. C'est pas facile. Mais c'est un très bon exercice pour renforcer vos doigts. Renforcer votre main. Même si vous faites morceau par morceau, c'est pas grave. Mais au moins, vous êtes dans le rythme. On y va. Voilà, et ensuite on va jouer. Voilà. Ça c'est un intervalle d'octave. Hein. Donc c'est la note de Do sur la corde de La. Donc troisième case sur la corde de La. Voilà. Allez donc. C'est comme si vous faisiez l'accord de Do. Par contre, c'est pas un accord, on est d'accord. Donc que c'est pas. Vous faites pas un Do majeur complet. Sinon, ça va faire une dissonance, ce sera hors gamme. Donc, on a juste besoin de la note de Do et son octave. L'octave qui est la première case, corde de Si. Allez. Et avec le petit doigt, vous rattrapez juste après. Vous voyez, vous rattrapez. Voilà, donc troisième case, corde de Sol. Après avoir joué la combinaison d'octaves. Et vous descendez, première case, corde de La. Vous voyez? On reprend. Doucement. Voilà. La dièse ici, donc la dièse qui est donc sur la troisième case, corde de sol, et vous rattrapez première case, corde de la, et ensuite quatrième case avec le petit doigt, corde de si, et ensuite vous rattrapez. C'est là la difficulté. On revient doucement à zéro. Thank you.
reprend. Ok. Et ensuite bourdon. Ça c'est très important cette réponse. Et vous sautez. Oui. Je vous laisse voir ça donc. Ce jeu de bourdon sur la corde de la. Donc première case, troisième case. Donc la dièse do. La dièse do 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 do. Et ensuite vous faites le fa directement sur la première case corde de mi. Oui. Soit vous slidez, hop, un petit slide juste pour la couleur. Vous pouvez le faire ça. Puis vous pouvez rester sur place. Des fois il reste sur place, des fois il slide. Et vous revenez à la réponse de juste avant. Voilà. Et ça c'est la réponse. Vous voyez? Donc partez du principe que sur ce jeu de questions-réponses. La réponse. Oui. Voilà. Voilà. Ça va un petit peu vite. Bon, voilà. Parce que je veux juste déjà vous donner le feeling. Vous avez déjà la vision de où est-ce que c'est fait. Ok, c'est fait dans cette zone-là. Ouais. Et vous remontez direct. Voilà, et on continue. Et ensuite, il y a des variantes de questions. Donc, il y a une question qui fait... Une des questions. Réponse. Ouais. Ensuite, variante. Ouais, vous pouvez jouer ici. Et là, c'est plus facile. C'est plus facile que celui-là. L'autre, c'est. Donc, intervalle de tierce. Encore une autre variante de question, celle-là, il faut absolument que vous la fassiez, c'est quand on joue la septième ici. Pour mettre un peu plus de mélancolie. Donc, au lieu de faire... Vous faites... Ok, on y va. On est toujours sur la corde de mi. On commence par quatrième case, troisième case et première case. Et ensuite corde de si, troisième case. Donc on revient sur un mi avec un hammer on. Je vous conseille de faire le hammer on avec le petit doigt. Parce que vous avez besoin d'anticiper les notes suivantes. Parce que si vous faites avec l'annulaire, c'est un peu plus compliqué. Ouais, alors que si vous faites avec le petit doigt, voyez. Et surtout, toujours cette réponse-là, vous pouvez isoler cette partie. Pour vous entraîner. Thank you.
C'est une manière de travailler le morceau partie par partie. Donc, doucement, première question. On reprend. Réponse. Deuxième question. Ensuite, variante avec la septième pour la mélancolie. Voilà. Donc ça, c'est juste une partie pour vous entraîner. Donc, salutations à Chip et si jamais tu nous regardes, donc, il y a à corriger. Essayons tout de suite d'appliquer ça dans une workout session. Comme d'habitude, vous faites en même temps que moi. Si vous voulez plus de choses pareilles, inscrivez-vous à la newsletter, à la Seben Academy, avoir plus d'informations. Si vous voulez suivre aussi le développement de l'application mobile qui va reprendre ce genre d'exercice pour vous aider encore plus en détail à la maison à travailler, n'hésitez pas à vous inscrire. Inscrivez-vous, suivez, donnez vos suggestions et surtout, faites-vous plaisir. Là, on a la loupe. Très simple pour pouvoir poser vos guitares calmement, facilement et même faire des variantes quand vous voudrez. Que vous ayez quand même quelque chose derrière qui vous accompagne et qui soutient ce que vous jouez. On y va étape par étape de manière très simple. Ok ? Go. Suivez selon votre niveau. Si vous faites seulement une partie des accords, c'est pas grave. Ok. Par exemple, juste deux accords. Pour information, on est sur un tempo de 100 BPM, 100 battements par minute. Dans l'application, vous pourrez changer ce tempo pour ralentir un peu plus si vous trouvez que c'est trop rapide. Mais pour l'instant, faites ça ensemble avec moi. Ok, ça c'est pour les débutants, d'accord? De manière très simple. La dièse, fa. La dièse, fa. Pour ceux qui sont plus avancés, on peut faire comme ça, inverse. Deux, trois. Ok. Un petit peu plus dur. Niveau 3. Ok. Continuez. Maintenant, on va prendre la partition. On attaque le gros morceau. On y va partie par partie. Déjà.
Je lui ai dit, par exemple, vous pouvez isoler la réponse pour commencer. On y va. Pas mal ça. Pardon. Très bien. Continuez, on essaie de faire la suite. 1, 2, 3, go. Encore. Ok, très bien. On attaque les questions. Déjà les questions. 2, 3. Ok. 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3. 3 et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. La mélancolie, deuxième. Ok. Et 1, 2, 3. 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 Encore. Et 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3. Et 1, troisième variante. 1, 2, troisième, la plus simple. En partant de la tierce. 1, 2, 3. La combinaison. Voyez. Ok. Quel que soit ce que vous faites, ne vous arrêtez surtout pas. Ok. Ah, c'est juste pour vous accompagner que je fais ça. Vous faire quelques démos en même temps. Très bien. On essaie de combiner tout. Thank you.
continue. Reviens au niveau 1. Et si vous voulez varier, les amis, entraînez-vous bien, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que ça vous a aidé, est-ce que ça vous a fait du bien. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Comme vous voyez, on passe à une autre étape. La CBN Academy est en train d'évoluer, les choses ne font que commencer. Pour ceux qui veulent soutenir le projet, vous avez tous les liens dans la description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour la suite des événements.